Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de notre incroyable aventure sur Callisto Protocol, évidemment, toujours accompagné de mon armure déjà, hein, parce que croyez-moi que ça double ma vie et ça fait plaisir, j'en bégaye, de mon arme préférée. J'ai un fusil à pompe qui n'a malheureusement plus de balles, mais j'ai quand même mon pistolet qui est plutôt bien équipé. Et en vrai de vrai, on n'est pas trop dégueu, j'ai toujours la matraque sur moi. Bref, ça, vous connaissez la musique, il n'y a aucun souci là-dessus. On va checker à gauche et à droite, toujours faire attention quand on descend dans un tunnel. Je déteste les tunnels. On a déjà fait les égouts. J'espère pas les refaire, évidemment, d'ici là. On va faire attention. Le jeu, en vrai de vrai, les gars. This way. Ok. Ok, c'est un peu too much comme réaction. Je suis bien d'accord avec vous. Putain, il a une armure. Il est mort en armure. Vous croyez qu'il va y avoir des méchants en armure? Quoi? Wouah, je me suis chié dessus derrière. Ok, y'a rien. Très bien, on continue. On va pas trop prendre la confiance. Vous savez que c'est quand on prend un peu trop la confiance que la confiance nous attend dans un coin de rue. C'est ce que disait très souvent ma grand-mère. Donc ne pas trop la prendre. Ok, ça va, je suis serein. On peut pas sortir d'armes, c'est qu'il peut rien m'arriver ici, tu vois. Je suis assez serein. Pas mentir. Bonsoir. Excusez-moi. Ok, this way. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas aller par là. Et vous savez où on va aller. Je n'aime pas obéir. Donc, direction, le sens opposé. C'est très étroit ici, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Oh. Oh. Let's go. Caitlin. Ok, on va écouter ça. Mais toujours checker au cas où, en face de soi. Sait-on jamais. Où es-tu, Caitlin? Tu es là, Caitlin. Incroyable. Let's go. Journal audio numéro 4 sur 4. Non, pas du tout. 3 sur 4. Journal personnel, Dr. Caitlin Mallor. Je suis arrivée à Black Iron aujourd'hui. J'ai rencontré Cole pour la première fois. Il m'a autorisé à reprendre le programme. Ce ne sera pas simple, mais j'ai confiance en mon équipe. Sont comme moi pleinement conscients de l'opportunité qui nous attend. Donc vous l'aurez compris, le protocole Callisto est un programme qui a été lancé en interne. Quel est le but? Je suppose que le but c'est voir jusqu'où l'humain peut évoluer en le mélangeant peut-être à un parasite ou un virus. Évidemment, comme Resident Evil, comme n'importe quel jeu d'horreur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, ça ne sauve pas l'humanité de vouloir changer son ADN. Ça en crée plus des monstres. Qu'est-ce que c'est? Sacré merdier, ça. Hop, recharge, mon pote. Je viens de trouver du mal pour toi. Ok. J'aurais pu me chier dessus si j'avais pas directement de check à droite. Mais grâce à mon intelligence totalement débordante... Follow. Ok, ah, attendez les gars, moi vous savez quand il y a écrit un truc sur un mur, je n'y vais pas. Ok, ça je prends mon petit pote. Ok. Ça me plaît. Très bien. Bon bah écoutez, les 4 cartouches, je suis quand même plutôt content. Choqué mais point déçu. Ok. Ah, je suis moyennement serein de cette situation. Plutôt inconfortable. Ok, on va passer là-dedans. Normalement, il devrait rien se passer. Vu que je ne peux pas me défendre, je passe une crevasse. Ok, ça a l'air ok. Ça a l'air... Bon, on a vu un petit truc qui traîne, qui a pas l'air cool. Mais là, ça a l'air ok. Ok. Bon. Excusez-moi. Oh. Oh. Ok. Ça commence à être obscur ce qui se passe. J'aime pas trop ça. Et là on a quoi? Que dalle. Ça commence à être putain d'obscur.
What? Ok. Ah, je croyais que c'était explosif. Qu'est-ce que c'est? Je déteste les pustules. Ok. Pardon? Oh la vache. Oh la vache, c'est la merda. Oh mais qu'est-ce que je suis con, il y avait des flics derrière, je me déteste. C'est terrible. Oh là là. Bon, de toute façon, hop, j'ai plus de batterie. Ok. Allez, utiliser, hein. Let's go, hein. Ça va que j'ai des soins, parce que j'ai toujours fait attention à mon compte épargne logement et tout ce qu'il comprenait, mais... Alors, attendez. Oh, mais il y a trop de trucs. Il y a derrière... Il y a... Oh là là... Qu'est-ce que c'est? Il y a ici... Il n'y a rien, en fait, d'accord. Ah, c'est un cul de sac! Très bien. Quelle ne fut pas ma surprise. Ok, bon bah c'est le seul chemin finalement. Ah là là, et j'utilise pas assez mon pouvoir pour envoyer Valdinguer des man. Ça m'énerve, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Attendez. Je te dis mon pote, j'y vais aux pompes, j'en ai plus rien à péter. Ok, c'est très étroit là-dedans. Gauche ou droite, mais what? Ah oui! Ça n'a aucune pitié! Qu'est-ce que c'est? Oh là là! J'avance doucement parce que là j'ai plus aucun repère. On dirait qu'ils ont changé les règles du jeu. Attention aux escaliers. Ok. Ah! Pas trop ça. Ok. Ah! Oh putain! Oh, ça m'a donné des frissons et tout là. Oh la vache! Ah là, ça. J'ai cru que c'était un bras au sol, tu vois. Un reste de détritus. This way. Ouais, mais les gars, c'est this way partout. Moi, je veux juste le vrai chemin. Bon, bah, on va checker. Là, on a l'air de descendre. Là-bas, on a l'air d'aller vers la lumière. Là-bas, on a l'air d'aller vers les ténèbres. Quel enfer! Et là-bas, c'est... Non, en fait, on vient de la lumière. Ok. Bon. This way. Et là, c'est pas this way. Alimentation. On va aller là-bas. Allez, on sait jamais. C'est un cul-de-sac aussi. De toute façon, à chaque fois que j'hésite... Oh, vache. Putain, des sauts comme ça, putain. Non, mais vraiment, ce petit truc-là... Oh là 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 là. Ah, il m'a fait sursauter, mais je vous promets que j'ai eu des frissons, c'était terrible. Frissons de gêne, tellement c'est laisse, bordel. Ok, là, y'a rien. Il souhaite toujours. Ne jamais aller là où ils disent d'aller. Ok, on va devoir aller là où ils disent d'aller. Ah! Mais oh là, j'en ai marre. Ça c'est de la merde, ça! Putain! Dégage de là! Faut que j'arrête de stresser comme ça, c'est un truc de ouf! Non mais quoi, ça m'a siroté ma vie! Non mais c'est plus des sensus, mon ref! Attends, qu'est-ce que c'est? Ah! C'est embêtant. J'ai plus qu'un de vie. Un APT. Pété maintenant, j'ai compris la leçon, les gars, je vous le dis. Ok. Des crevasses! Des fucking crevasses!
putain, mais ça met nous, ça. Ah, c'est chiant, les gars. Relou. Quoi? Attends, laissez-moi sortir, les gars, non? J'ai dit que j'utiliserais beaucoup plus mon pouvoir. Crois-moi, je vais le faire. Hein. Désolé, mon pote. Merci pour les creds. Ok. Commence à devenir dur là. Comment ça, j'ai plus de batterie? Comment ça, j'ai plus de batteries? Oh. Ok. Ok. Je me chie dessus, putain. Eh les gars, je sais pas pourquoi je suis aussi pas serein là, c'est bizarre. C'est l'effet tunnel ou quoi qui fait ça? C'est dur. C'est dur et j'avais pas de quoi les envoyer. Parce que j'ai tout utilisé. Oh. Ok, régale-moi s'il te plaît. Régale-moi. Un petit truc qui ralasse là, les gars. Ok. Ok. Utilisé, je suppose. Merci. Et là, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Et là, que dalle. Ok. C'était pour une caisse. D'accord. Mais c'était pas si dégueu. En vrai de vrai. Allez, c'est parti. On continue, les amis. Ok. Terrible. Oh la vache. Dur, dur, dur. Injecteur de santé, ça c'est fait. Oh oui, la liberté. J'entends l'air rentrer. Pénétrer mes oreilles. Merci. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle finalement. Certains diront que oui, d'autres diront que non. C'est parti. Ok. Très bien, ça. Injecteur de santé, c'est gratuit, mon ref. Hein. Ok, sas du garage. Let's go. Let's go pour la suite. Ok. Merde. Un classique. Clignotez pas trop, les gars. Il y a peut-être des épileptiques qui regardent. Super. Je suis censé être tout beau, tout neuf. Ils auraient pu me redonner un... Ah, putain, fils de pute. J'ai le bordel par ici. Aide-moi à les tuer. J'ai mes propres problèmes à régler. Ok. Next. Comment tu vas me donner tout ça là? Yeah.
devant. Ok, cette fois ça va chier. Ok, c'est bon là peut-être, non? Je sais pas. Restons raisonnables. La porte est bloquée. Ok. Dépêche-toi. D'autres de ces choses peuvent être en approche. Rejoindre Danny. J'ai eu chaud, hein. Ok, j'arrive, bichette. Bon, allez, viens, cette fois-ci, on collabore, non? Je sais pas. Non? Un petit truc ensemble, toi et moi. Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui le veulent. Ça serait cool. Eh ben, je pensais pas te revoir. Ah ouais, pourquoi? Hein? Parce que tu m'as laissé mourir dehors? T'as essayé de me tuer sur ton vaisseau, je suppose qu'on est quitte. T'as peut-être pas remarqué, mais la situation est un peu partie en vrille. Eh, hey, tu m'aimes pas et je t'aime pas, mais Elias a des raisons. On n'a aucune chance seul, mais ensemble, on pourra peut-être s'en sortir. D'accord. Si je peux réparer la dameuse, elle nous amènera au hangar. Ouvre la porte principale. Va jeter un œil là-bas. Je suis censé te faire confiance? Tiens, prends ça. T'en auras besoin. Ces choses... Ah! Nouvelle arme! Au fait, je m'appelle Jacob. Je sais qui tu es. Ok. Let's go. Alors, appuyez sur la touche gauche pour passer rapidement d'une arme équipée à l'autre. Les armes peuvent également être sélectionnées et équipées à partir de l'inventaire. Superbe. Ok, superbe, superbe. C'est un pompe, ça, non? Je suis pas fou. Attends. Bon, je sais pas qu'est-ce qui décide de ce qu'elle va sélectionner comme arme, enfin écoutez. Et là, j'ai pas de quoi recharger, très bien. Allez, on continue. Normalement, elle est censée avoir fait le vide. J'essaye toujours les cadavres, on sait jamais, soit... Malentendu... Peut-être qu'ils vont régaler. Ok, ça c'est la porte principals. Ça, je prends mon pote. Ah, le Riot Gun, ça s'appelle. Ok, ça a l'air d'être un pompe en vrai. Ouais, c'est un pompe. Ok. Ah, là, il y en a quelque chose. Ta gueule. Lieutenant Devon Wayne. Lieutenant, il est là. Ok, on a un indice. J'ai essayé de contacter Ferris, mais il a disparu. J'ai dû passer à l'action, j'ai scellé la porte. Je les ai tous piégés de l'autre côté. Ah. Les communications sont actives. Mais Black Iron ne répond pas. Ah. Ah. Bon, on sait ce qu'il y a de l'autre côté, les gars. Hein. Pas de surprise. Pas de surprise. Ok, ça on prend et ça on prend. Oh putain, je me suis chié dessus, les gars. Faites pas ça. Et là, c'est totalement verrouillé, c'est ça? Superbe. Ok, let's go. Merde. Et c'était sûr. Je vais dans l'autre pièce. Je te dirai quand je serai prêt. Une sécurité efficace, ça paraît logique. Un système de sécurité à toute épreuve, ça paraît compté. Ne meurs pas. Rejoins la salle de contrôle. Alors les amis, on est full live. J'y sais, passer une journée unie. Ok, déjà ça, on vend. J'ai beaucoup de sous, on va garder un petit peu, je pense, en vrai de vrai. Il y a encore deux armes que je dois débloquer, what the fuck. Reconfigure l'impression, l'ajout d'une poignée, réduit la stabilité. En vrai, pour 300, il faut le faire, parce que c'est gratuit, ça mange pas de beurre. Donc, on rajoute la petite poignée, meilleure stabilité, oh.
Et peut-être le chargeur, là, en vrai, ça peut être cool. On va voir. On va voir, on va voir. Toujours améliorer les débuts d'arbres, surtout que c'est une... On vient juste de l'avoir. Augmente le potentiel de dégâts de l'arme en ajoutant un propulsif. 300, je prends. Les 300, c'est au quai-tiers, les gars. Toujours améliorer ses armes au début. Voilà. En plus, on vient de l'avoir, ça va être un régal. Pas le temps de voir à quoi ça ressemble quand c'est flingué. Ok, et en vrai, de vrai, ça, hein, ça me paraît pas mal. Hein. Capacité de munitions, les gars, pour pas recharger toutes les deux secondes, en vrai. Hein. Allez, let's go. Let's go, let's go. Et le reste, on garde. On va passer en full écho, là, un petit peu. Donc maintenant, normalement, il y a 8 cartouches. Ok. Ça, ça me plaît. Oh, c'est un truc tambour. Ok. Yes. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Toujours pas de quoi... toujours pas de quoi saisir toute l'opportunité de... De prendre un ennemi pour le jeter contre un mur. Malheureusement, j'ai plus de batterie. Ok. On repart dehors. Allez, on nous aborde. Non, on va pas se taper ça à chaque fois. Dépressurisation à quoi? J'ai bien l'impression que si. Allez, dépressure. Dépressure-moi la gueule. Ok, ça. Très bien. Ok, ok. Olé, olé. Ok, ok, ok. Olé, 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 olé. Allez, petit temps de chargement camouflé. Oh! Ok, superbe. On sait jamais. Oh la merde. Oh, il appuie comme un vrai bonhomme. Je sais pas, je suis pas là. Voilà. Voilà. C'est bizarre, mais. C'est bizarre, mais tu vois. Voilà, je. L'intuition. L'intuition, tu vois. Quand ça met 2 heures comme ça, c'est la première fois qu'on voyait. Ah mais tu me la fais pas à l'envers, frérot. Je m'y connais en level design. Tu sais, ça fait 2 heures qu'on attend. On n'a jamais attendu comme ça. C'était très particulier. En plus, il a mis plus de temps à monter, à descendre qu'à monter. C'est très bizarre. Ok. Ah. Je suppose que quand on rentre dans ce merdier, ça n'est simple pour l'enfer. Je dois passer ces verres. Oui, c'est un aller simple pour l'enfer. Très bien. Très très bien. Ça c'est évident, c'est tout ce qui va se passer. Pardon. Alors ça c'est injuste que les balles ne passent pas, tu vois. Ça, c'est totalement injuste. Alors? Oh? Ah non, faut juste passer au-dessus, je pensais que... Ouais. Ah! Ah bah oui. Mais oui, c'est clair. Regardez ce qui va se passer. Ok. Là, je la joue, mais je suis vraiment pas serein. Oh, désolé, ça c'était gratuit. Je te déteste en même temps. Ça, je pense, c'est gratuit aussi. On a de la vie, mais pas plus que ça, tu vois. Ok, allez, on ouvre.
Vas-y, libère-moi la bête, là, c'est bon, la bête en cage, on connaît, les gars. Allez, libère-moi ça. Pardon ? Ok. Donc. Oh, je me suis chié dessus, putain. Ok. Ouais. C'est un forceur de catégorie 12. Ok, c'est très bizarre, hein, cette cage, hein. Frérot, explorer. Ah. Ce n'est pas bon signe, les gars. Ce n'est pas bon signe. Ok, un petit truc explosif, mais j'ai pas de quoi. Ah. Allez, superbe. Peut-être un coup de fort. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en ai marre, hein. Ok. Je prends. Ok. Oh la vache. Oh le mec qui s'est jeté sur moi, ça m'a tellement fait valise. Ce merdier là. Oh, oh, oh. C'était excitant. Ok. Bon allez. On va sortir le fusil à pompe. Il est temps de pomper. Ah. Je suis dans la deuxième salle de contrôle. Superbe. Superbe, superbe. Eh ben, tu as pris ton temps, qu'elle me dit. Elle m'a dit, eh ben, tu as pris ton temps, les gars. Utiliser le code porte. Ouais, ouais, bah tu vas attendre, frérot. Ah. Tout le reste, c'est 900 mini. Putain, mais quelle angoisse. Quelle angoisse. C'est quoi, ça? 2007. Ah, mais non, les projectiles des armes. Mais frérot, ok, il me reste deux armes à débloquer. 1002. Et augmente la portée des dégâts de l'arme. Ça, c'est pas mal. Donc 2004, il me faudrait, tu vois. Et bah écoutez, on va essayer d'aller les chercher. Let's go. Dans 3, 2. Oh, je suis désolé, 1. Par contre, le doublage en France, ils ont pas fait d'effort. Hein. Ok, j'amène la dameuse. On se retrouve dehors. J'espère bien. Retrouver Danny dans la cause. Ok. J'ai peur. J'ai peur. Le seul chemin vers la vraie liberté se trouve au
Car ce n'est qu'en vous connaissant que vous pourrez devenir ce que vous étiez toujours censé être. Ok. Eh ben, merci à toi. Les amis ? Les amis, on prend ça et on... Ok. Ça fait peur ça à chaque fois. C'est faux. Et je pense qu'on va pouvoir... Attends. S'arrêter là. Non, j'ai failli lâcher. Ah, oh, waouh. Comment ça, ça a rechargé mon... Oh non. Elle est où, bon sang? Oh là là. Voilà, c'est plus sûr. Allez, venez. Maintenant, ça va chier. Ok. Ok. Ah. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans ce petit merdier. Dans la prochaine. Dans le prochain épisode. Bisous tout le monde. Bye bye.